L'hôtel de police de Cayenne. On fait des enquêtes à charge, hein, madame? On fait des enquêtes à charge? On fait des enquêtes, on laisse pas parler les témoins. Il y a de l'animation. Il y a de l'animation. Olé! Aou! 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 Alors, on reprend parce que j'ai commencé avant vous. Aou! 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 Yes! Libéré! Donc, là, quoi? Vous êtes pas. Vous voulez pas aller jusqu'au bout, monsieur? Bah oui! Allons tester la nuit! Allons tester la nuit! On est là, on est prêts! On veut tester la nuit! Bref, donc, une enquête qui est à charge apparemment, puisque normalement on n'aurait pas jet là, même 19h30, même 20h, on n'aurait jamais jet là encore avec la vidéo qui circule et qu'on a. Pas votre vision de la vidéo en vrai, la vraie vidéo, la vidéo avec un monsieur Anicette, avec un S, ah non, Anicette, Anicette, qui pousse à deux reprises Olivier Boudet, et qui derrière crie au viol, comme une jeune fille effarouchée. Bref. Donc, eh ben oui, mais oui, madame, faut pas chercher. Quand on dit trop violence, ça veut pas dire stop violence, ça veut pas dire, non, ça veut dire nous banquer ça, ça veut dire nous banquer ça. Trop violence, ça veut dire trop de violence, violence administrative, comment ça se fait que l'enquête se passe dans le lieu de résidence de l'agent qui porte plainte. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ce soit les collègues de l'agent qui enquêtent et qui posent des questions? Comment ça se fait? Qui auditionne? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on ait attendu presque 2 heures, si ce n'est 2h30, pour que vous l'emmeniez à l'hôpital? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Expliquez-nous. Comment ça se fait que Anicette n'est pas assez formée? Anicette n'est pas formée pour garder son calme. Tout comme on a vu, vous avez vu, tiens, vous voyez, je parlais des gendarmes, je parlais des forces de l'ordre. Là, il y a eu un face-à-face. Mon président, mon vice-président, mes quelques gars, il y a eu un face-à-face. Est-ce que vous avez une chambre qui est passée? Est-ce que vous avez une bordel qui est levée? Est-ce que vous avez une poussée pousser votre monde? Non! Non! D'accord? Donc si vous n'êtes pas compétent, monsieur Anicette, eh bien changez de métier, changez de fonction. Parce qu'on l'a vu, il y avait la fois 40 gars. Il y a eu un face-à-face, il y a des vidéos. Il y a des vidéos pour le face-à-face. Il n'y a eu aucun débordement. Aucun débordement. Il n'y a personne qui a poussé personne. Il était soi-disant interdit de séjour. Parce que ça, vous nous le démontrez encore une fois. Hein, parce qu'on demande comment ça se fait que la police nationale serve à faire la sécurité de la CPG. Surtout, se rendre coupable d'empêchement de circuler d'un citoyen. La liberté de circuler, c'est plus pour Olivier Boudet. Et ces mêmes personnes qui nous faisaient la leçon. Rue 14 juillet, il faut débarrer la rue. Il faut laisser circuler les gens. Les mêmes, hein? Les mêmes. Ils sont venus, 14 juillet, il faut laisser circuler les gens. On a laissé un mètre pour que les gens circulent. Et puis les mêmes, on les retrouve à la CTG. Ils nous empêchent de rentrer. Il faut nous expliquer. Il y a deux poids, deux mesures. C'est la maison du peuple, c'est la maison des Guyanais, c'est la maison que tu peux aller faire une formalité, bref. Il faut qu'on nous explique. Parce que quand le gars en plus, le directeur de la sécurité du territoire, va dans les médias Radio Pays pour dire qu'Olivier Boudet a poussé en premier, ou bien je m'entendais, vous dites apparemment, vous les collègues là, vous dites qu'il a donné un coup de tête, il va falloir nous démontrer tout ça. Il va falloir nous montrer tout ça. Et on n'en a pas fini de cette histoire. Parce qu'il est hors de question. Alors qu'il nous cagoume un tout seul, qu'à une Guyanais en fait, qui casse toutes les mains dans sa histoire, sa Djokovoa. Non, ça va pas possible.
quand on n'en a pas fini. Parce qu'après, il y a la fin de la garde à vue, ils vont peut-être convoquer devant le tribunal, on fera ce qu'on a à faire, il n'y a pas de problème. On a les avocats pour ça. Mais comment on peut nous expliquer que le matin, tu fais soi-disant ton tralala et que le gars il va dire que Olivier Boudet a poussé en premier. C'est quoi? Alors d'après ce qu'ont dit les collègues, d'après je ne sais plus ce qu'il a dit comme Juan, mais Bouk, hey, mon Bouk, il y a une vidéo, regardez. Il y a une vidéo, regardez. On est d'accord que oui, c'est votre collègue, que c'est votre, pas collègue, agent, qui doit défendre ses agents, mais quand même, on défend pas le n'importe quoi et puis on ment pas. On ne ment pas. On ne ment pas. Et on ne vole pas. Et on ne vole pas. Et on ne vole pas. Parce qu'il y a encore une autre histoire le matin, on nous a piqué notre truc, on nous a piqué notre piquet. On nous a piqué notre piquet. Dans tous ces gens-là qui sont pas clean, ils veulent nous faire la leçon. C'est quand même compliqué. Alors, c'est quand même compliqué. Parce qu'en attendant, là encore, on attend de voir quand. Voilà. Nous rappelons dans 5 minutes. Non, bah il y a plus de mots. Nous rappelons dans 1 heure. Si en 1 heure, nous rappelons. dans l'ancienne de la CTG. Ça m'a déplu en tant que policier.
parce que Laurent, Virpian, tout ce que tu veux là, ton chef, même le petit là, même le petit, en taki-taki, nous drape l'émissaire, Piki Boukou, qui me dit un petit pantalon. Alors, il est parti de la Guyane, c'est pas toi qui va nous empêcher de rentrer à l'intérieur. En tant que c'est son frère, je prends mes responsabilités, chef de la police. Michael, s'il te plaît, libère mon ami. S'il te plaît, Jean-François Petit, chef de la brigade. S'il te plaît, monsieur Jean-François, avec le respect que j'ai pour toi, libère mon ami, s'il te plaît. Avant que je passe par la troisième sommation, j'en ai des youths, j'ai de la famille. Même ma grand-mère était là, même la maman était là, elle était désespérée. Elle ne voulait même pas y croire que son fils est à l'intérieur avec ses malaises. S'il te plaît, libère Olivier Goudet, l'enfant du peuple qui défend la Guyane. Le maire ne fait rien. Certains élus s'enrichissent avec les gros Mercedes. Là, je veux dire, jusqu'à temps que une première, suit leur propos, suit leur stratégie, est toujours derrière. Monsieur Rodolphe Alexandre, mon père s'appelle Rodolphe Alexandre aussi, mais c'est pas comme toi, parce qu'il a évolué à la Guyane pendant des années, et je le permets avec sa richesse, et je suis fier de lui. S'il a des mots, mon papa, donc parce que j'ai monté là-haut. Rodolphe, s'il te plaît, pour que tu n'aies pas de problème avec la voisine d'à côté. S'il te plaît, Rodolphe, si tu m'écoutes parce que tu es en Facebook Live, c'est 380. Libère mon ami, donne un coup de fil parce que tu le veux, parce que tu l'as fait lorsque tu sirotais. Ok? S'il te plaît, Rodolphe, Alexandre, pour que. Comment toi qui prends mes mots camarades, s'il vous plaît? Pour que tu te le créole? Te dis bon, toi, apprends-moi les tatamis, hein, moi, pas les prendre au tatami, moi, les prendre dans l'esprit, que l'esprit, tête à tête, tête à tête. S'il vous plaît, Rodolphe, téléphonez-yo, mais t'as qu'il mal tourné. Non, Rodolphe, vous passez la limite. Maintenant, j'ai plus de limites, j'ai plus de sentiments. Je suis déterminé et je suis dans une cause. Où est-ce que tu les as mis? Vous savez, ton Raïno. Mais ma, écoutez, Samrato, Macron pas qu'il fait rien pour toi. Tu peux soucier des soucis. Macron pas qu'il fait rien pour toi. Tu vas faire supplier monde qui sans foi ni loi. Alors, j'ai une info. Une source médicale nous informe que le président de Trente Violence aurait plusieurs ecchymoses sur le corps. Il va falloir qu'on nous explique comment quelqu'un qui a donné le coup en premier a des ecchymoses sur le corps. Les gars, ça va pas se terminer comme ça, je vous le dis. Mais c'est 96, t'es qu'un émeute. Si ça te l'émeut maintenant, policier guyanais, policier blanc qui t'ouvre un mot, rien dit oui, moi montrer s'attaquer ça qui n'émeut. Ce paquet droit, tabasser, rond monde en garde à vue. Le droit de l'homme. Mais c'est qu'un droit qu'un médecin. Mais c'est qu'un droit qu'un consultation. Mais c'est qu'un droit à aller à l'hôpital. Donc, si ils ont pas de c'est qu'un problème. À des millions qui n'ont pas allé là. La terre n'est pas finie, faite. À des millions qui n'ont pas allé là. La population qui est révoltée, au corps, ça va être mal fini. Je suis en colère. Je n'ai rien la foutre. Aucun ordre à recevoir de quiconque en concernant l'injustice des policiers. Ok. Donc, Asanou Kelkadi, hein, le directeur de la sécurité, va parler sur les médias pour inventer que de la merde. Ok? Alors que quelqu'un qui soi-disant a frappé, qui je sais pas quoi, machin. Bref, comme on a dit, on va régler ça après. Donc, oui, Camoré tranquille. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui se sont déplacés. Pour nos plus nombreux, il y a ça nous fait dire, hein, nos plus nombreux que ce beau matin. Hein. Et donc, 2700 personnes. Il a arrêté combien de temps, mon frère? Il reste 3 minutes. Il a arrêté combien de temps? Il a arrêté 3 minutes. Il a fait 3 minutes pour la charger. Il y a une sécurité à Paty. Il est chargé. C'est blanc là-bas. C'est blanc là-bas. Les voitures qui sont là, c'est les impôts qui payent. Donc si ça te voulait, si ça te voulait, votez-le. En nous lâchons.
à nous là, ce qu'il a, à nous là, ce qu'a payé ça le droit. Donc il marque la justice policière. Moi j'ai dit à 16h, si on est là après la nuit, si nous là, quand la nuit tombée, je ne réponds plus de rien. Donc après, on ne partait plus personne. Il a dit, toi, t'es cabouré, eh ben, il est cabouré. Mettez votre tenue, mettez votre tenue, mettez, organisez votre corps. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ça fait le moment là. Fabrié, à nous un peu, c'est le total là. Il faut y bouler, yo, pour y comprendre, il faut libérer nos camarades. La population nous a bloqué ça, nous a pété, nous a entré. Même si c'est un bon top qui nous vend, mon beau frère, moi je dépose. Moi je dépose, je suis fini. Je suis dans rien. Moi je dépose, je suis dans rien, j'ai fini. J'irai s'accueillir, les gars. Ici en position. Mais moi t'ai dit, mon voisin, mais... Ouais, mais il a dit une heure, après il a dit 30 minutes. On attend la sortie de l'avocat. L'avocat est dedans, Maître Dansnac est dedans. Non. Marcenet. Sauter d'une heure, après ton passé une heure. Depuis l'avocat sorti, voilà, et puis qu'il y a négatif, nous ne recherchons pas. Libérez le président! Libérez le président! Libérez le président! Libérez!
libérer. La gendarmerie dit qu'il n'y a pas qu'à défendre l'enfant parce que c'est l'enfant du peuple. D'accord. La gendarmerie a dit qu'il ne défend plus parce que c'est l'enfant du peuple. C'est le travail de la police. Tu veux dire la gendarmerie les a laissés tout seuls sur ce plan? Et ils sont partis. Ils sont au bout là-bas. Ils sont au bout là-bas. Mais le temps pour y est fini, les gars. Non, c'est compliqué, hein. Vas-y, il n'y a pas qu'à défendre l'enfant. C'est pas là. Voilà, nous t'es pas été. Et puis ils sont mignons, ils se mettent dans le noir et tout là-bas, là. Genre, comme des souris, ils se cachent. Non, mais c'est mignon, quoi. Ouais, t'as tout été de retard et puis après, vous vous cachez. Non, mais on va chercher l'erreur. Bref. C'est fatigant, hein? C'est fatigant, sérieux, hein? Et après, tu vas entendre le directeur de la sécurité du territoire. Oh, trop de violence. Voilà. Si ils travaillent ensemble, si nanana. Genre, on sera plus efficace. Mais c'est bon, quoi. C'est bon. C'est pas crédible, en fait. Donc, voilà, nous là. Et encore une fois, à chaque fois, je dis, moi, je ne m'en mets plus. Depuis 16 heures, on dit que je ne réponds plus de rien. Et là encore, j'ai fait les gens se calmer, les gars. Mais il y a mon président qui est à l'intérieur, que vous êtes en train de faire perdre son temps. J'ai demandé à ce qu'on se calme. Mais derrière, vous avez mon président à l'intérieur. Et à nous qui sommes mauvais, à nous qui sommes méchants. Ça pas normal, les gars. On va régler ça. C'est pas normal. Ah là là, donc le gars il met sa main là-bas, je sais pas, il pose sa caméra là sur la porte, et il tient au loin, on voit juste sa main, il tient un truc carré. Ah là là, ah là là, c'est fatigant. Mais bon, on attend. Ah, on n'attend plus? Oui, mais il faut qu'ils sortent. On attend. Eux, ils veulent que ça chauffe. Mais on attend. Il avait, c'est pas moi, c'est. Il était quelle heure quand il a dit la vie de meilleur? Nous, après, on veut bien vous laisser jouer, les gars. Parce que s'ils veulent jouer, ils veulent jouer avec vous. Vas-y, va, la petite marionnette. Vas-y, va, pas du tout, vas-y, ça va. Ils sont fatigants, ils jouent. Il y a des gens qui ne veulent plus attendre. Tout à l'heure, votre forme là, elle n'a pas résisté à grand chose. Hein. Bon, vous êtes derrière le truc là. Bon, c'est pas encore là? Dans quelques minutes, ils devaient être dehors, mais comme ils ont merdé total sur le dossier, là, ils sont en train d'essayer de chercher le moyen pour sortir de ce dossier-là, c'est ça? Vous cherchez le moyen de sortir, on a perdu de la tête toute haute de ce dossier, c'est ça? Merci en tout cas à M. Constant qui s'est déplacé. Écoutez mon lieutenant. Venez à l'intérieur.
tranquille. On a un avocat à l'intérieur. Maître Lynn Dantenac, qui est une militante. Qui est une militante, oui, faire confiance. Je sais, vous deux amis. Pas chauffer mon 380. Eh, hey, pas chauffer 380. Eh, hey, Nora, ça suffit. Non, là, il y a... Eh, hey, t'as... Ils ont agi deux secondes, ils ont été cachés à l'intérieur. C'est bon, c'est bon. Après, ils ont agi trop peu. Non. Momo, tiens ça un peu pour moi. Libérez le président. Libérez le président. Libérez le président. Tiens un peu pour moi. Libérez le président. 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 Non, mais comme il est mauvais, à la télé, hein, à une source médiatique qui dit moi, il est calibré. Et là, il est toujours fort. Mais comme il est mauvais, comme il est mauvais, comme il est bien méchant, ça y est, tout. Non, il va toujours, il va, il va attendre. Hein? Mais comme il n'est pas allé avoué, il n'est pas allé, il est ça qui. Il y a ça qui l'est, et puis il y a ça qui parlait. Et puis tu as le diable, tu as l'ange. Bon, il y a tout m'entraîner. Donc bon, à part nous qui avons fait, normalement, il y a un gars qui a l'été. Donc là, ça t'emmerde parce que tu m'apprends, peut-être, vous le savez, mais bon. Levez garde à vue. Levez garde à vue, et puis à nous, chaque monde, fait ça, il y a rien pour faire. Et puis voilà quoi. Mais bon. Anisette, ça c'est quelque chose qu'on va regarder. Il y a la police. Oh oui, il y a la police, mon gars. Tu viens, tu descends, et en plus après, tu dépêches le sol. C'est bon, quoi. 2 heures, pas minuit. À 2 heures, t'as pas 3 heures. Ben oui, ils ont pris 2 heures pour l'envoyer à l'hôpital. C'est de la violation, mais procédure en caduque, comme d'habitude. Comme d'habitude. Il y a des chances, mon avocat, pas de disponible. Ton dit ça, Ivan. Aïe, 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 c'est... Sortez, regardez, il n'y a pas de problème, c'est bon, tout va bien. C'est pas ma
N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes en sécurité. C'est la population qui vous sécurise. Trop violent, c'est les 500 frères vous sécurisent. Moi, qu'est-ce qu'ils m'ont pas arrêté ça, hein? Mais j'ai continué. J'ai continué. Sortez. Et en plus, ils n'arrêtent pas de me demander dans combien de temps je m'énerve. Mais on avait dit une heure et il me semble qu'il était 17h30. Il était 19h30. 19h30, donc on a dit une heure. Là, il est 20h. 20h17. On commence à s'énerver. C'était il y a, il m'a dit une heure. Et encore, je ne comprends pas qu'on soit en mode une heure alors que vous avez annoncé que la garde à vue va être levée. Je ne comprends pas. Mais là, on est sur le live, là, c'est ça? Bon, parce qu'il faut qu'on parle au préfet, il faut qu'on parle au procureur. Comment la police nationale ne met pas en exécution ce que, normalement, ils décident, d'accord? À un moment donné, s'ils ont fait une garde à vue, c'est que vous avez prévenu le procureur. Si, à un moment donné, ils ont calé V, c'est pareil, ils ont parlé avec le procureur. Donc, à un moment donné, si c'était décidé que ça devait se lever, pourquoi on n'en est toujours pas à la lever, quoi? Donc, comment la police nationale fait un peu ce qu'elle veut? Regardez les casques bleus là-bas au fond. Les casques bleus, on les voit. On sait à quoi ils servent maintenant et où ils sont. Les casques bleus. Ils arrêtent de manquer de respect aux gens qui sont là depuis ce matin. Alors, il y a quelqu'un... Ah non, mais il n'y a pas quelqu'un qui reste près pour nous. Il n'y a pas quelqu'un qui reste pour nous. Ils ne peuvent pas arrêter de nous manquer de respect. Il n'y a pas quelqu'un qui reste pour nous. Il n'y a pas un pièce de respect pour nous. Si il y a un respect pour nous, ça fait longtemps que nous sommes la maison. Nous pas un respect, Nora. Nora, à tout, c'est sécurité, mon cas géré aussi. Mais nous, bientôt, nous pas plus tard de mourir là. Donc bon. Oh là là, les gens, il est. C'est bon quoi, il est 20h19, 20h20. Doit annoncer notre cas levé, la garde à vue levée, vous nous faites ça. Nous qui rejoignent nos cas au tribunal, papa, nous qui rejoignent nos cas au tribunal, nous qui rejoignent nos cas. Pas t'écouter encore. Mais là ce soir, respectez les gens qui sont là depuis 10h30. Respectez les gens qui sont là depuis 10h30. Respectez les gens qui sont là depuis 10h30. Respectez la population, guyanaise, respectez les gens qui sont là depuis 10h30, respectez-les, à part nous qui disent qu'ils ont été l'éveil, à d'autres qui disent qu'à l'éveil, donc l'éveil. Respectez la population, respectez les gens qui sont là depuis 10h30 dans votre mascarade, nous tue plein, nous banquez ça. Là, c'est eux qui sont hors la loi, là, puisqu'ils ont donné un an de temps. Et puis, il y en a qu'une seule. Et puis, vous ouvrez où est pour l'heure déjà fixée. Donc, pas mal au bord. Vous ouvrez le côté. Tu peux pas donner un petit coup sur ça, là? Il faut que les médias arrêtent de diffuser une seule version des faits. Ça y est qu'à préparer là. Ça qui peut encore prendre la passe en vie avec les chambres. Thank you.
Yeah.